Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue donc pour un nouvel épisode de From Dust. On va tout de suite partir. Non, je vais reprendre l'histoire avant que je fasse des conneries parce que ça serait dommage. L'âme de pierre, de la terre furieuse, oh mon dieu, ça me donne pas trop envie. Donc on va être bon pour un nouvel épisode donc de nos primitifs qui se baladent de monde en monde à travers le portail pour conquérir le monde, la terre, l'univers. Très bien, très bien. La terre furieuse. Eh ben non. D'ici à Oduniani dans Kedouado à Bahagia Kupasu. Tano, ça m'a numéré qu'a dit Masini Masini. Adaka un tuke pada abawa tidakada kulikodari. Non, ça va, c'est pas les mêmes. Oulala, ça va péter. Aïe 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 aïe. À chaque fois, c'est un truc de malade. Hein. Vous êtes Caribatou là? Mais vous allez pas là-bas? Vous avez pas peur de vous faire cramer les fesses? Ici, il y a un truc. Ok. Là, il y a un truc aussi. Là, il faut aller le choper, c'est un pouvoir. Ensuite, il faut aller choper là aussi. Et là, il y a les mines. Ah. Oh là là, il faut aller conquérir. Oh là 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 là. Ça commence bien. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Faut que je me remette dans le truc, hein. Excusez-moi, mais c'est toujours compliqué. Oh putain. Voilà. On va recommencer. Ah bah il y en a un qui va bien rigoler, je le sens déjà. Mais ouais, non, mais en fait, bon, tant pis. J'ai pas tout pigé dès le départ. C'est bien, en même temps, c'est un peu plus compliqué le temps de comprendre ce qu'il faut faire et tout. Et les éléments sont tellement ouf. D'ici à Oduniani dans Kedouado à Bahagia Kupasu. Tano, ça m'a numéré qu'a dit Masini Masini. Adaka un tuke pada abawa, tidakada, kulikodari. Bon, alors là, du coup, je vais faire. Je vais protéger tout de suite. Oh là là, c'est. Oh, ça va péter, ça va péter. Parce qu'en fait, comme ça, je les protège aussi, parce que sinon, bon, on va aller tout de suite ici. Ici, on va essayer. De barricader pour pouvoir assainir. Non, ça m'a pas marché. Du coup, je vais prendre de la lave. Oh là là. Bloqué. En plus, je vois que le passage, il est complètement dans. Oula. Complètement dans la dans l'eau. Enfin, je fais un peu n'importe quoi parce que là. Ça bouffait le. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. On va protéger. Par exemple, ici. On va mettre des petites bonbonnes.
Et les petites bonbonnes. Ici, par exemple. Vous a... Oh la vache, c'est magnifique! Il y a l'eau qui va se pointer, c'est ça. Vous ne passerez pas! Ah non, ça... J'ai fait casser mes coupes, mais... Oh putain, oh putain, oh putain. Une bonbonne, une bonbonne, une bonbonne! Ils vont tous se faire cramer! Et j'ai encore perdu! C'est pas possible! Je commence à m'impatienter. Oh, je vous jure, c'est... Allez, venez tout de suite ici. Puis je pense que c'est par cycle. Oh la vache, mais c'est tellement violent, vous imaginez tellement pas. C'est hyper violent, ils nous font des bonbonnes. Là, on va remettre, il y en avait une ici. On va juste la mettre un peu plus haut. Mais c'est violent, violent, violent quoi. On va aussi tout de suite. Ils vont se prendre de la flotte et on fait... Je suis en train de vous protéger les mecs. J'ai amplifié le souffle. Ok. Ok. En fait, donc je pense que c'est par cycle. Vous voyez, quand là ça roule ma poule, il y a de la lave qui tombe. Je vais reprendre une bonbonne. Je vais la mettre là. Ça, ça nous protège ici aussi. Mais c'est aussi à cause des palmiers, hein, ils prennent feu. Et quand ça coule ici, ça s'arrête là. Donc en même temps, c'est pas mal. Mais c'est chiant. Putain. Parce que ça veut dire qu'il faut que je protège l'arrivée. Et en plus, il faudra quand même que je vide ici. Voilà. Il y a un truc qui se passe ici. De toute façon, ça sert à rien ce que je fais. Hein. Faut juste pas qu'ils soient inondés. Eux, quand ils vont d'un truc à l'autre. Après, ils vont devoir aller là. C'est magnifique, la lave. C'est strictement magnifique. On va reconsolider un peu... Alors c'est ici. Hein. Ah ouais. Voilà, et là, il y a l'eau qui descend. Et ça devrait calmer... la lave, elle devrait se calmer logiquement. Non, bon, je suis à deux villages. Ah, ah. Mais j'ai foutu une bonbonne. J'ai foutu une foutue bonbonne. J'y peux rien, moi, si ça ne fonctionne pas, les gosses. Hein. Et foutu des bonbonnes, et ça fonctionne pas. Là, bonbonne. Bonbonne, bonbonne. Ah ouais, c'est carrément fait cramer, en fait. Il re... Oh, je l'avais pas vu venir, celui-là. Ah ouais, d'accord. Mais on est bon, c'est dangereux. Un volcan entre en éruption. Putain. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ça va toujours pas. Oh là là, au secours. C'est celui-là? Ah mais c'est hallucinant. Oh, mais c'est violent. La violence. Je vais mettre ça, je sais pas, moi, là. Bon, on a deux villages d'établis. Qui ont l'air de plutôt fonctionner. Ouh.
Il va falloir. Merci. Pour l'instant, celui-là, il est pas. On peut y passer. On peut y passer. Est-ce que je le tente? Est-ce qu'on le tente? On va le tenter. Je vais choper la bonbonne. La bonbonne. Non, ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas passer. Il faut que je mette. Une petite mine. Oh là là, je suis peut-être une grosse merde. Hein. Ouais. C'est bon. Là, ce sera déverser terre. C'est pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire. Là, on peut y aller. T'as un prêtre qui va venir choper ici. Normalement, c'est bon, non? Ah, et là j'ai pris la bonbonne alors que c'est pas ce que je voulais. Non, mais franchement. Ah, oh, mais franchement, les enfants. Vous avez tendu les palmiers sur la moitié du territoire. Ok, très bien. Non, il peut passer là. Bon, je vais le laisser faire. Oui, le village est établi ici. Ok. Bonbonne. On a une bonbonne là énorme. Oh, mon avis, il va péter lui aussi au-dessus. Hein. Là, on est bien. Là, l'eau, elle a augmenté. Ah putain, bien sûr. Oui, j'ai compris. Il est pété mon souffle aujourd'hui, là. Ouais, je le tue. Ils sont emportés dans l'eau! Merde! Mais j'ai pas assez! Assis déversé de terre! 4, oh là là! Il est en dehors de la map! J'ai perdu mon prêtre! Enfin, mon prêtre, ou je sais pas. Ah non, puis c'est là en plus que je voulais. Oh mon dieu. Si j'ai perdu mon prêtre, où va le monde hein. Ils sont en train de se faire cramer le cul. Ah. Mais en plus, je peux pas mettre sur pause. Oh là là. Puis je fais n'importe quoi. J'essaie d'éteindre là où il n'y a pas le problème. C'est ici, je le savais. Je le savais qu'il allait entrer en éruption celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous faites, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Ok, lui il est éteint. Mais non, mais c'est. C'est. Oui, bah excusez. Oh, mais ça va bien. Bah oui, mais il faut attendre que ça s'arrête. Hein. Moi je peux pas faire grand chose pour vous là. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Moi je prends toujours des trucs que je veux pas prendre. Ça commence à devenir. Là, voilà, ça va se calmer votre truc.
Bon. Mais bon, vous allez pouvoir passer. Bon, ça devrait être bon là sur ce versant ici. Par contre là, quand ça va repéter, ben ça va repéter, hein. On va pas être... hein. On va pas se mentir. Mais quel mon dieu. Il faudrait que je prenne... que je déverse de la terre, mais là du coup c'est l'eau. Enfin, mais c'est chiant en fait. Là voilà, ils vont refaire le village ici. Les bonbonnes... j'en ai plus de bonbonnes. Il y a trois visages... Visages. Je suis en dehors de la map. Mon prêtre, il est où? Il est mort. Il y avait un truc. Elle était où la dernière montagne? Elle était, c'était là. Je sais pas si ça va être possible. Ah, oh, ça va péter. Voilà. Il va y aller, mais ça, il va se faire cramer le cul. Oh là là, c'est pas le bon timing. Normalement c'est bon, non? Bah non. Il va se faire cramer le cul. J'ai acquis un pouvoir, mais... Je suis pas sûre. Si c'est bon. Si, il va pouvoir passer. Ah, on va consolider là. Ah ouais, mais là ils crament tous, mais je suis pas... Je peux pas faire autrement vu que je me sers de la lave. Logiquement, ils seront plus emmerdés après, donc je préfère le faire maintenant. Oh là là là. Et c'est compliqué d'être concentré sur ce que je fais et Bon, pour les volcans. C'est presque réglé. Ils vont refaire le village. Ouais. Ah ! Ok. Donc là, il va y avoir un pouvoir à que. Je vais reprendre de la lave. Pour faire un passage ici. Voilà, déjà ça, il va me grimper et ce sera beaucoup mieux. Ça y est. Mais non, regarde. Je vais te faire un joli petit passage. Ça va péter. Voilà. Oh là là là. La violence. Il s'est fait encore embarquer. Mais mec. Eh non, il c'est pas possible. Mon mec, il s'est encore barré. En tout cas, ils sont en train de faire de la musique, donc... Non, il est peut-être sauvé. Ils ont acquis un savoir en tout cas.
Tu les tues. Par contre, je vais pouvoir... Bon, j'en rappelle un, hein, je m'en fous. Hein. Je pense qu'au niveau de la lave, on est presque bien. Là, je reconsolide un peu. Voilà, ouais, il se protège de l'eau, mais il se protège pas encore de la lave, je pense. Du coup, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais canaliser là. Le problème, c'est que je vais foutre le feu, évidemment. Voilà. Mais le passage est ouvert. Par où tu passes, mon gars? Tu peux pas aller... Vite, l'eau, elle va revenir, là. Ouais, ils savent se protéger de l'eau. Ça... Ok! Ici c'est bon hein. Là ça passe sur le côté. C'est impeccable. J'espère que je fais pas de conneries, que je vais pas faire cramer. Non, ça va. Et il nous manque un seul village à conquérir. Et lui je l'ai essayé pas encore. J'ai pas encore le temps de voir où il était puisque j'ai tellement eu de soucis. Je sais pas, je prends de l'eau parce que ça me fait triper. Où est ma tête d'aiguille? Il nous manque un totem. Je sais pas trop où il est. Je suis pas bête quand même, il y a quand même un totem qui manque. Ah, ça va péter. Ah, t'as besoin de passer. Ouais. Bah, il faut attendre que l'eau, elle arrête. Bah, oui. Mais oui, mais je vais faire un pont. Peut-être pas un pont en pierre, parce que ça risque d'être compliqué, je crois. Faire un pont tranquillement en petit sable. Oui! Attendons juste que l'eau arrête. Et je vais faire déverser terre, qui est le numéro 4. Mais donc, ouais, j'ai encore la tête d'aiguille là, mais je sais pas où elle est. J'arrive. Et l'eau, elle s'en va. C'est bon. Et le dernier, je sais pas où il est. Est-ce qu'il faudrait pas... Y a pas un truc à... Je sais pas, il faut figer l'eau. Donc ça, on peut figer l'eau et déverser la terre. Ça y est, l'eau va revenir. Ça me fait toujours... Et la petite musique, elle fait flipper quand même. On dirait un monstre qui vous fait... Je sais pas, j'essaie de boucher les trous. Je me dis que en bouchant les trous de l'eau, on n'aura plus de problème. Je fais n'importe quoi. Genre ici, je sais plus où qu'il y a des. Voilà. On va peut-être boucher. Ah, j'arrive pas. Je peux pas accéder. Là par contre. Ça coule encore. Bon, j'ai un petit souci qui s'appelle tête d'épingle. J'ai l'impression qu'elle est pas sur la map. Hein.
Mais il y a que quand... Ah, parce que là j'ai le passage. Faudrait que... Ah si, ça a bouché. Alors par contre... Ça va pas tarder à... Bon, ils savent se protéger de l'eau, mais... Je peux pas engouffrer. Oh, elle est repartie. Je peux presque plus amplifier le souffle. De toute façon, ils savent se protéger, donc au niveau de l'eau, on est pas mal. Oh, il y en a qui va se faire cramer les fesses là. Rentre vite à la baraque, toi. C'est tout juste. Ah mon dieu, non, c'est bon. En fait, faudrait que je consolide quand même. J'aime bien manipuler la lave, mais le problème de la lave, c'est que ça chauffe et que ça brûle. C'est un peu chiant. Oups, j'ai mis le feu. Non, ça va, c'est géré au niveau des ballons à eau, là. C'est nickel. Ici, je vais je sais pas, ça pourrait couler. Ça me ferait un peu chier que ça coule directement dans le village. Mais le passage n'est pas encore ouvert, donc je sais pas trop ce que je dois faire. À part boucher les entrées comme j'ai fait tout à l'heure. On va essayer. On va boucher les entrées. Je sais pas trop si c'était là. On va voir. Il y avait ici. Non, ça a l'air de couler. Ok, je fais... Donc, je ne sais pas. Là, ils ont tous les... Les trois villages ont les deux savoirs. Donc, je pense que c'est contre la lave et contre... Ouais, ça doit être ça. Ah, il est là, mon dernier village! Ah ouais, d'accord! Ah la vache! Ah non, mais j'avais pas du tout vu, quoi. Au milieu de la lave, comme ça, tranquille. Bon, on va se faire un petit mur. Un petit mur, comme ça. Ah bah, je pouvais attendre longtemps, hein, parce que franchement, je l'avais pas vu. Un bon petit muret. Pour se protéger. C'est possible ou pas là de venir? Viens donc. Ah, c'est pas encore c'est pas encore apte à l'habitation. Ça va péter. Ouais. Est-ce qu'il faut pas du sable du coup? C'est peut-être ça qu'ils veulent. Cela, c'est complètement de la lave. Non, on peut pas dire qu'ils seront pas protégés dans ce village-là. On va déverser de la terre. Je me rappelle, c'est le 4. Est-ce que maintenant c'est bon? Eh ouais, c'est bon maintenant. Ah!
vas me donner ton sable et tu vas me le mettre là. Ouais, ils peuvent passer. Ils vont se faire peut-être un peu cramer les fesses. Ouais, beaucoup même. Je peux pas figer l'eau. Enfin, figer la flamme. Par contre, je vais prendre de l'eau. Pour l'instant, ça va. Faut faire gaffe parce que... ils vont pouvoir y arriver. Et on va voir enfin le dernier village. C'est sportif. Hein. La digue, elle est assez haute, ça va. Pas trop trop non plus. Je joue le feu direct. Est-ce que je suis bête? Non mais en fait voilà, je veux tellement les protéger que je fais nawak. Ah, par contre si vous avez des petites bonbonnes à haut dispo, voilà, je la veux bien. Comme ça. Ah mais ils se sont fait cramer le cul direct. Oh là là, mais oui, mais bon, moi je savais pas, fallait renvoyer d'autres gars. Hein, que... oh putain. Je vous jure. C'est bon? Allez, y a plus rien. Une bonbonne à eau est demandée à l'accueil. Il y en a une là. Espace. Voilà. Espace. Espace. Putain, je vais tuer tous mes gars. La lave qui passe ici quand même et qu'elle crame tout. Hein. Ils sont protégés mais pas tant. Pas tant que ça. C'est encore de la lave qui passe ici. La stopper en fait. Oh là là, oh là là, oh là, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça y est! Bon, normalement, ça devrait être bon. Ça y est, on a tous les pouvoirs. Enfin, tous les villages. Oh là 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 là. Deux. Ok, j'ai compris. On va vraiment faire un village encore plus fortifié. Le truc, on va le mettre sur une hauteur d'ingule. Ensuite, on va faire une digue du cul ici. Ah oui, oui, bah je sais, oui, que je sais. Mais tu vois, je suis en train de te faire une petite digule juste au-dessus pour que tu puisses y aller. Bon, elle risque d'être un peu chaude, hein, mais pour l'instant, tu pourras y aller quand même. Oh là là, je suis en train de tous les tuer. Ha 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 ha.
Et faut que je fasse gaffe parce que faut pas que la lave elle arrive. Faut pas qu'elle arrive au village qui est derrière. Et là, nous on n'a pas. Je sais pas ce que c'est ça, mais. C'est une bonbonne. On va les mettre là. Je vais reprendre. Ah, de la lave. Oui, je sais, j'ai mis le feu. Mais il y avait une bonbonne ici, elle est là. Vas-y connasse, tu te mets là. Voilà. Il y en avait une autre ici, elle est là. Pourquoi elles sont plus actives, on sait pas. En tout cas, y a des petites bébêtes qui sont là. Hein. Alors, je sais pas trop si... on va pouvoir... avoir assez de... merde. Oh, j'ai pas... ah non mais là j'ai chié dans le pâté parce qu'en fait j'ai pas bien ça a visé mais pas comme j'aurais voulu. Donc là ça craint. Parce que la caméra a bougé au moment où j'ai cliqué. Et ça a pas validé ce que je voulais faire. Parce que je voulais juste en fait faire qu'on se dé comme ça. Et c'est parti derrière, donc forcément j'ai mis le feu. Bon, il y a l'air d'avoir les pouvoirs partout, donc normalement on est bien. On a donc espace de se laver les anciens. Donc je pense que le passage est ouvert. Ah, il y avait du feu ici. Le passage est ouvert! Maintenant, il nous reste à engouffrer. C'est le 2. Pour vider toute l'eau. Après ça sert à rien parce que l'eau va arriver. Donc je pense qu'il va surtout falloir déverser de la terre pour monter. Mais bon là je vais faire le mieux que je peux maintenant. C'est ce que je vais faire en fait. J'engouffre. Le truc qui sera bientôt à plat. Enfin à plat. À sec. Mais je vais faire ensuite déverser la terre pour faire monter tout ça. Donc déverser terre, je me prépare, c'est le 4. Parce que là je suis en train de lutter pour rien. Mais j'aurais déjà déversé une bonne partie. 2 secondes. 1 seconde. Et voilà. Et maintenant, je déverse la terre. Pareil, déverser la terre, c'est assez court comme... mais ça me fait une petite île. On va essayer de rechoper un peu de sablounèche. Mais normalement, c'est bon, là. Histoire de monter. Vous voyez, le portail est ouvert et on va pouvoir les envoyer. Logiquement, on est bien. Ils ont toute la place qu'il faut pour y aller. Ah bah punaise, ça aurait été sportif. Ça aura mal commencé. Hein. Ah ils peuvent plus? Pourquoi vous pouvez plus? Attendez, déverser terre, on est 4 heures. Ça va, ils sont là. C'est bon. Mais non, mec. C'est bon, le portail, il est ouvert, là. La voie est libre. Ok. On est bien. Oh, regardez comme c'est beau.
C'est super beau. Et ben on est parti vers de nouveaux cieux. Eh ben, c'était sportif. C'était un peu complicado. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et que, ben... Et puis voilà, et là, on va arriver sur une nouvelle terre, bien sûr, comme d'habitude. J'espère ne pas me planter dès le départ, parce que sinon, ça va faire... Ah, il y a beaucoup d'eau. C'est bon à savoir. C'est là-dessus que je vous quitte, donc je vous embrasse très bien, très fort, et je vous dis à très bientôt. Oh, je suis exténuée, là, ça m'a... J'ai chaud avec toute cette lave. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de From Dust ou d'autres choses. Allez, salut.